Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Allô. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes championnes de la survie, des expertes du self-défense végétale. Pourtant, les plantes ont plutôt l'image d'organismes assez passifs. À l'inverse des animaux, elles ne peuvent pas s'enfuir pour échapper à un prédateur ou éviter un danger, par exemple. Elles nous apparaissent donc particulièrement vulnérables. Si un mouton ou une tondeuse à gazon passe par là, c'est fini. Oui, mais si tu touches cette ortie, tu veux essayer? D'accord. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ça picote, non? Un peu. Les plantes sont loin d'être aussi désarmées qu'on pourrait le croire. Pour survivre, elles sont capables de déployer tout un arsenal de défense naturelle. Elles rivalisent d'ingéniosité pour mettre en déroute les agresseurs ou ceux qui, comme moi, risqueraient de le devenir. Direction la côte pacifique mexicaine sur la plage de Zicatela. On l'appelle aussi la plage des grandes épines. Pieds tendres, s'abstenir. Ces redoutables épines d'acacia sont peut-être le meilleur système de défense de tout le monde végétal. De quoi décourager bien des prédateurs. L'acacia accepte de se laisser grignoter par les herbivores, mais s'ils deviennent trop gourmands, ils renforcent ses épines et sécrètent des substances toxiques. Cela ne signifie pas qu'il est invulnérable. Cet acacia s'est fait assiéger par les insectes et les plantes grimpantes. Cette fois-ci, l'arbre a perdu la partie. Même la cigale bossue s'en donne à cœur joie. Mais c'est une des rares exceptions. Normalement, l'acacia ne se laisse pas prendre au dépourvu. En cas de problème, il peut compter sur l'intervention de gardes du corps toujours prêts à le défendre. Les voilà. Ce sont des fourmis, du genre féroce et intrépide. Elles patrouillent en permanence sur l'arbre et éliminent sans pitié tous les intrus. Elles mordent des pics comme des guêpes. Pour mesurer l'agressivité des fourmis, ce biologiste délimite une zone au milieu de laquelle il va pratiquer une entaille. La blessure ne passe pas inaperçue. Alertés, les défenseurs se précipitent, de plus en plus nombreux. Rien ou presque ne leur échappe. Et pour les indésirables, l'issue est souvent fatale. Une sauterelle a la mauvaise idée de jeter son dévolu sur des feuilles d'acacia. Branle-bas de combat. Les fourmis fondent sur l'insecte et le mordent partout où elles peuvent, de préférence dans les articulations où la cuirasse fait défaut. Courage, fuyons! La force de frappe est efficace, mais elle ne travaille pas pour rien. L'acacia offre le gîte et le couvert. Les cavités de ces épines font de spacieux logements. L'endroit idéal pour les pouponnières. À l'abri des prédateurs, les larves sont au sec et bien au frais. Mais l'acacia fait bien plus encore pour son personnel de surveillance. Ses friandises dorées, appelées corbeltiens, présentent une grande valeur nutritive. Pas vraiment facile à récolter, mais la fourmi est persévérante. C'est qu'elle a des bouches à nourrir. La production des corbeltiens est une